Madame, monsieur, bonsoir depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacques Lambélizier. Un plaisir, une autre fois encore, pour ensemble, pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien, qui est un grand point cap dominé actualité. Actualité à concernant pays d'Haïti, Premier ministre haïtien Gary Conille, devant Conseil Sécurité Nations Unies dans New York, exposé aspiration mission transition pendant qu'il lançait un appel pour une solidarité internationale pour aider Haïti faire face à la crise la traversée. Je vous le dis. Toujours concernant pays d'Haïti, unité hydrométéorologique UHM décrété alerte vigilance orange sous département sud. Sud-Est à Grand-Anse devant menace ouragan Beryl. États-Unis élection, rencontre président Joe Biden avec plusieurs parmi 23 gouverneurs démocrates dans démarche pour bayo garantie li mentalement et physiquement capable pour rester candidat pour présidentiel après mauvaise performance li te bay dans dernier débat contre ancien président républicain Donald Trump. Et c'est point ça yo, avec l'autre encore nous va le développer pour dans un petit moment. Actualité a mené nous d'abord dans New York côté Premier ministre Gary Conille, et ben devant Conseil de sécurité des Nations Unies exposé et mission il y a Sandra Lemaire té gain et déclaration plusieurs représentants plusieurs pays dans occasion. Premier ministre haïtien Gary Conille prononcé un discours devant Conseil Sécurité Nations Unies côté li bay détails sur situation Haïti avec travail gouvernement li a fait pour résoudre crise qu'a tracassé Haïti depuis longtemps. Conille dit débarquement premier contingent policier kenyan yo en Haïti marqué une étape essentielle dans processus pour rétablir sécurité en Haïti. En abordant la situation complexe et souvent tragique d'Haïti, il est essentiel de reconnaître que la responsabilité principale d'adresser nos défis incombe à nous, Haïtiens. Nous n'allons pas déléguer notre responsabilité. Cependant, nous reconnaissons aussi que les actions et les politiques internationales ont façonné et continueront de façonner le contexte dans lequel nous luttons pour la stabilité et le développement. Cette reconnaissance mutuelle de responsabilité partagée est cruciale pour établir un partenariat respectueux et efficace, capable de soutenir Haïti dans la construction d'un avenir meilleur, tout en respectant notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination. Conille exprimait confiance avec optimisme vis-à-vis progrès qui est déjà fait, en même temps que les détaillés gravité situation actuelle pays. Un contingent 200 policiers kenyans arrivés en Haïti semaine passée, dans le cadre de mission support sécurité pour Haïti, côté, il y a parlé des forces police nationales, la combat de gang, qui presque fin prend contrôle capitale la net. Délégation Haïti à la rencontre là, t'es inclus ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis. Représentant quelques parmi pays membres conseil là, t'es prend la parole. Ambassadrice États-Unis Linda Thomas Greenfield, t'es fait chita t'attendait avec Conille à part. Côté yo t'es discuté sous mandat BINU, Bureau intégré Nations Unies pour Haïti, qui prend fin dans fin mois de juillet. Engagement États-Unis pour continuer supporter mission sécurité pour Haïti à et puis j'ai fort américain à fait pour appuyer régime sanctions qui visait exiger moun qui responsable pour actes violents yo prend responsabilité. The Haitian people deserve at long last to live in peace. Les peuples haïtiens méritent enfin pour vivre dans la paix, pour le travail, l'école ou bien l'église, sans menace à violence. Ambassadeur la Russie, qui occupait place présidence conseil la Moïse, critiquait États-Unis pour paquet d'armes qui a sauté la Kaili, dans bateau à petit avion pour armer Gagno. Ministre Affaires étrangères République dominicaine, Roberto Alvarez, te présente tout dans déclaration Pali, Monsieur dit ses responsabilités peuple haïtien avec les Dolio pour y gérer situation Haïti. Mais il félicite tout l'effort communauté internationale l'a fait pour aider Haïti sortir de la crise la confronter à. Il ajoute Haïti sous bon chemin. Envoyé adjoint Kenya dans l'ONU, Njambi Kinyugu, te prend la parole tout, côté l'été dit, premier contingent policier pays li, recevoir un accueil chaleureux en Haïti et que yo déjà tamé opération à police nationale pays a. Rencontre l'ONU a déroulé après rencontre premier ministre Conille avec ministre Affaires étrangères Dupuis, te gagné avec secrétaire d'État américain Antony Blinken dans Washington hier mardi. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington.
Faut qu'on dise que le premier ministre haïtien Garry Conille mettait discours ça devant membre Conseil sécurité des Nations Unies dans cadre d'un viréon que l'a fait dans aux États-Unis après Washington New York. Nous sommes sur place dans New York, Valérie Saint-Louis qui pourrait dire nous plus. VOA Creole, nous avons une mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies dans la Cour Manhattan. Côté que je vous dis, il y a une délégation officielle haïtienne avec à la tête le premier ministre Garry Conille, justement, saute rencontrer ensemble avec pays membres Conseil de sécurité des Nations Unies. Au sortir de réunion ça, eh bien, premier ministre Garry Conille, t'es fonti parler ensemble avec la presse. Il était dit qu'il était très satisfait de réunion ça, qui montrait engagement communauté internationale là pour aider Haïti et aller au-delà de vraies causes insécurité avec instabilité. Ça qui dit même à Maspiné pays. Commitment to really accompanying Haiti through this very difficult process, but also the recognition that it has to be viewed beyond the forces, but a commitment to addressing the root causes that sustain this type of. Il dit tout que il sorti extrêmement satisfait de rencontre là, côté que il senti que communauté internationale là gagne une solidarité que l'a fait avec Haïti, côté que ensemble ils reconnaissent que situation grave et que ils obligés réussi. Léo Temandel pour force multinationale ça qui gagne à la tête du pays Kenya qui suppose qui déjà gon premier contingent qui entre en Haïti. Premier ministre Garry Conille te répond pour dire que li au courant des efforts qu'a fait entre policiers kenyans ensemble avec policiers PNHA pour commencer à couper insécurité dans le pays. Il dit qu'il travaille très bien, il a coordonné les efforts pour capable ensemble avec police nationale là coordonner les efforts donc pour collaborer ensemble pour résoudre situation qui d'insécurité ça qui blaye dans le pays. Il dit que il est très optimiste et ils joignent tout en pile bon feedback qui sortit dans la population de participation force Kenya ça jusqu'à présent qui est en Haïti. Le journaliste posait la question, mandé d'après lui, puisque lui là en personne devant le Conseil de sécurité à l'Assaut de Palais, qui l'autre contingent force policière a rentré en Haïti. Pour Nice Garry Conille répond pour dire que lui pas au courant ni de date ni de l'heure qui a rentré, mais il est très sûr que très certainement c'est pour très bientôt. C'est comme ça que le premier ministre Garry Conille était réagi devant la presse après qu'il était sorti dans la réunion ça que tu gagné avec pays membres Conseil nous déplacer nous vini dans mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies parce que justement nous t'ai pensé que nous t'a rencontré avec délégation ça nous t'ai peut-être rencontré avec le premier ministre hein, et les autres ministres qui fait partie de délégation ça notamment ministre affaires étrangères là ensuite ministre des finances qui dit même ensemble avec le premier ministre Garry Conille mais malheureusement d'après employé il fait nous connaît que il a pas programmé puis au vini visiter mission pour aujourd'hui. De toute façon nous souffle place Garry Atidor Valerio Saint-Louis pour VOA Creole depuis Manhattan, New York. Merci Valérie Saint-Louis, merci Garry Altidor. Et puis, il faut dire que le Premier ministre Garry Conille lui-même, dans l'occasion mauvais temps qui menaçait Haïti, a lancé un appel à la population dans un moment de danse devant menace ouragan Beryl. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Malgré ouragan Beryl rétrogradé en catégorie 4, il est toujours représenté une menace pour Haïti. Dans ce sens, le Centre national qui a géré risque avec des as émet niveau vigilance orange sur toute côte sud pays d'Haïti. Marcelin Sterlin, qui est coordonnateur du centre, mande population veiller message autorité. De concert avec l'institution régionale, choisi de mettre Haïti sous surveillance cyclone. Et surveillance cyclone, ça, c'est ça qui fait nous mettre au niveau de vigilance jaune face avec tout paramètre ça, qui est capable, même s'il était loin, même s'il t'a supposé passer au large de d'Haïti. Depuis mardi soir pour arriver mercredi 3 juillet, ouragan Beryl commençait à faire sentir présence li en Haïti, notamment dans le département Sud-Est. DG Protection Civile, Emmanuel Pierre, dit population pas occupé rimé, mais plutôt message autorité qui autorisé pour ça. Pas occupé rimé. Il y a des gens qui doivent dire oh, ça va passer. Il y a des gens qui doivent dire oui, la passé, la tout. Maintenant, les gens qui voient autorisé, c'est nous-mêmes qui là. Continuer à veiller message autorité. Et puis, suivre toute consigne que nous avons et que nous connaissons déjà. Premier ministre haïtien Garry Conille mandé à peuple haïtien pour suivre conseil autorité secours face à passage ouragan Beryl. Dans la région Grand Sud, là, pas faire gros déplacement si nous pas besoin. Pas prendre en main. Pas faire prendre toute précaution pour accident par humain. En nous rete veillatif. Tendez conseil protection civile.
Beryl touché pays la Jamaïque jeudi mercredi ensuite zilé Caïman après le fin la cause pour petit 7 moun perdu la vie et causé en pile dégâts matériels dans sud-est Caraïbes blanc selon centre américain ouragan. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Effectivement, tant que correspondant nous Yves Manuel Soudila, Beryl déjà fait dégâts dans Caraïbes là, il y a au moins 7 monde qui mouri, nous va rejoindre Gentil Augustin Junior qui a plus de détails. D'après les spécialistes américains, yo, cyclone Beryl pose un danger vital pour Jamaïque et les Caïmans yo. Centre national cyclone dans Miami, NHC, dit cyclone Beryl apote ak li, vent maximum, cap soufflé ak 230 km chaque aide-tan. Sa ki fè, li se yon tempête catégorie 4. Président Joe Biden ap siveye ak an pile attention cyclone Beryl la. Kap déplacé à travers Caraïbes la. Li di, administration li a paré pour supporter région an, et li encourage résident yo pour yo suivre directive locale yo. Ignoring climate change is ignorer changement dans climat mortel, dangereux et irresponsable. Événement mauvais temps ça yo pas seulement affecter la vie moun. Yo coûte tout en pile l'argent. Yo bail économie en problème et puis yo gagne un gros effet psychologique négatif sur moun yo. Au moins 3 moun mouri et 4 l'autre disparaître sous côte caraïbéen Venezuela. Après cyclone Beryl, t'es déplacé dans direction nord à travers la mer Caraïbes là. Président Nicolas Maduro t'es dit hier mardi 2 juillet 2024 là. Beryl qui t'es gros la pli dans état nord Sucre. Côté l'été la cause, yon rivière débordée qui t'es provoqué inondation. C'est ça média local yo rapporté. Président Maduro confirmé gen 400 kay qui t'es complètement crasé et li voye condoléances pour pas rendre victime yo. Esta hora está confirmado el nous confirmé la mort 3 moun, des garçons ak yon femme, que nanm yo repose nan la paix. Nous voyons condoléances nous pour pas rendre yo. Beryl pas seulement rivé Venezuela. Yon vidéo drone Waters vérifié et confirmé date li te filmé a montré gros vague de l'eau sous côte République Dominicaine. République Dominicaine ak Haïti tap tan condition tempête tropicale la hier mardi 2 juillet 2024 la. Service protection civile haïtien te fait yon conférence pour la presse pour sensibiliser population sous passage cyclone Beryl. Depuis 2005 après c'est le premier système qui allait vite comme ça et qui brûle tout étape dans moins que 48 heures. Et ce sixième système tout depuis n'a fait suivre dans la région hein, qui en 20 premières semaines juillet qui est en catégorie 4. Autant dire, pour me faire nous comprendre que saison 1, j'aime te dire là, est vraiment active. La presse doit supporter nous en faire vigilance, brigadier doit continuer et aider la population. Hein, ensemble, système doit continuer à faire travail. Sensibilisation. Beryl, c'est premier cyclone dans saison 2024 là dans Atlantique là. Et puis premier tempête yo enregistré et qui rive dans catégorie maximum 5 sous échelle Saffir-Simpson. Au moins 7 moun déjà perdu la vie yo pendant passage cyclone Beryl là. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Merci gentil ou sauvé ou à créole ou à suivre le programme dans langue créole haïtien pas déplacé l'autre point dans l'actualité dans un petit moment. Merci d'être toujours été branché sous VO Acrol n'a pas mettre depuis Washington DC et ça fait nous un pile plaisir de ce que nous avons pile dans nous qui branché que ce soit sur Facebook ou bien sur l'autre plateforme que nous gagnons et VO Acrol a continué accompagner. L'autre point dans actualité c'est élection ici aux États-Unis, gain président Joe Biden aujourd'hui qui rencontré avec plusieurs gouverneurs et démocrates et la PC est convaincu que vraiment lui
physiquement et mentalement en mesure pour continuer cours là pour la représenter parti démocrate là dans élection qui fixé pour novembre Kavila. Pendant ce temps tout gain président dit que lui-même il pas d'accord avec décision cour suprême n'en prend pour bay ancien président Donald Trump immunité contre poursuite légale pour action il t'a posé pendant fonction officielle. Jean-Aubert Philippe a suivi pour nous de très près situation. Jean-Aubert, eh ben il pas metté tout de côté ingérence ancien président Donald Trump dans élection 2020. Jean-Aubert. Oui, décision que suprême n'a pas touché question ingérence et président Donald Trump, ancien président Donald Trump dans l'élection présidentielle 2020. Alors ça, président Joe Biden a fait kounia parce qu'après débat et le fait que le tapé des moments était dans le débat, et bien, il y a grand pile parole qui t'a parlé, qui t'a demandé même pour te démissionner, c'est ça que les démocrates t'ont demandé. Et bien, je veux dire, elle confirme que l'IPA fait un paquita, un panago, l'a fini l'élection, juste l'a crité dans la course là, jusqu'à ce que l'élection fini. Et c'est confiance ça que devait bailler. Tout le monde qui est capable de quitter Koussa Kounia, il n'y a pas aussi facile, étant donné que c'est très difficile pour remplacer un président dans une position pareille et pour remplacer un candidat, un parti, étant donné que ça a demandé pour ça à faire. Le président Joe Biden n'a pas mis le nom en bouche pour lui critiquer la décision de la Cour suprême des États-Unis qui dit pas capable de poursuite légale contre l'ancien président pour action officielle qu'il a posée pendant le sous-pouvoir. Une décision qui vient pour avec soi-disant implication ancien président Donald Trump dans l'attaque qui était faite sous Capitole là 6 janvier 2021. Decide whether Donald Trump's assault on our democracy on January 6th. Président Biden déclaré peuple américain doit décider si oui ou non attaque Donald Trump te fait sous démocratie noire si janvier 2021 fait pas qualifié pour occuper pigo position publique pays a peuple américain doit décider si c'est un bagage qui acceptable pour Trump te servir avec violence pour le conserver pouvoir. Ancien président Donald Trump a mis un message dans ce qui semblait médias sociaux liés à Truth Social pour dire que le suprême n'a démentibilé totalement pifo chef accusation qui était gagné contre moi. Joe Biden doit kounye là retirer chien lio. Pays a doit kounye là concentrer sous grandeur encore. Puis au tribunal là, pas écarté actuel dossier qui devant tribunal sur une ingérence électorale contre Donald Trump qui en bas accusation comme quoi l'État a essayé de renverser résultat élection 2020 que Joe Biden a remporté. Harold Krent, professeur de droit dans Chicago, a déclaré to the extent that he was acting as a private candidate, dans mesure il était agi comme un candidat privé, action liée t'a considéré comme action qui pas officielle. Mais étant donné qu'il t'a parlé avec vice-président concernant ça, il était quoi vice-président doit faire dans le Sénat, étant donné qu'il t'a parlé avec le ministère de justice là pour connaître si oui ou non t'es gain fraude dans l'élection, donc il t'a pas agi comme officiel. Événement 6 janvier 2021 a été mentionné brièvement pendant le débat jeudi 27 juin. Mais le VKP a capable d'utiliser comme une grosse question pendant la campagne électorale là. Si la campagne Biden voulait aborder le sujet, David Ramadan, qui a pensé sciences politiques dans George Mason University, parle pour dire. That's why I put the burden on the Biden campaign. C'est raison ça qui fait nous la responsabilité à sous campagne Biden non pour rappeler électeurs indépendants. C'est une grosse question pour yo. Yo doit rappeler yo ça chaque jour. Ça gagne 3 ans population capable commencer oublier et yo commencer à réfléchir avec leur bagaille. Avec électeurs américains qui s'y polarisent à droite et à gauche, électeurs indépendants sont capables de basculer l'élection dans un camp ou bien dans l'autre. David Ramadan a ajouté, électeurs indépendants sont capables de faire différence là. Ils sont capables de faire réussir ou bien écraser. Mais d'ailleurs, dans cette liste-là, comme une portion dans l'électorat, jeunes électeurs, c'est une autre catégorie, mais ils ne sont pas électeurs indépendants. Dossier géance électorale trop plan a continué à tribunal de base instance qui prend décision importante avec accusation qui est appropriée après décision Cour suprême. D'après expert, il est capable difficile pour gagner un jugement contre Donald Trump avant l'élection novembre 2024 là. Verdict, un tribunal te gain pour prendre contre Donald Trump 11 juillet venu là et bien verdict ça lui envoyé pour mois septembre. En attendant, campagne Biden a décidé si oui ou non, il a utilisé attaque 6 janvier 2021 comme un point central pendant la campagne électorale 2024. Là, Jean-Bert Philippe, VOA Creole,
Washington. Donc, t'as comme dit nous, 2024, là, c'est l'année électorale ici aux États-Unis et nous à quelques mois de élection d'avendi. 4 mois puisque c'est 5 novembre 2024. Donc, VOA Creole branché et n'a pas suivre tout développement qui gagne dans l'actualité électorale là, ici aux États-Unis. Nous retournons dans l'actualité concernant le pays d'Haïti avec réaction sous force multinationale qui gagne en tête li Kenya, qui débarquait déjà en pays d'Haïti, qui déjà gagne un premier contingent avec 200 moun. Nous prenons dans la communauté haïtienne dans Massachusetts avec Erlich Dorelas qui pourrait dire nous qui genre communauté haïtienne réagit sous développement ça. Plusieurs compatriotes haïtiens dans la ville Boston te parlé dans Mikoreo à Creole sous arrivée troupes Kenanyo sous territoire pays d'Haïti. Opinion personnelle, moi ouais, nous t'es qu'à servir avec force police là, avec l'armée, ils nous baillent équipement et puis ils sont capables de frapper bandits sans que nous pas besoin de force entrer en Haïti. Comme ils ont déjà venu, moi-même m'assure pour nous ouais ça capable. Est-ce qu'on t'a agrippé par sécurité ou non mais étranger? Sécurité d'abord. Mais qui sont définis. Sous-définis que c'est vous-même, ce qu'on ne territoire pas, c'est vous-même qui vous faites. On prend un policier sorti au cap pour la mettre en sécurité pour vous, pour qu'on soit bien résultat. C'est mon envie là pour prendre parce qu'on voit que les bandits sont rentrés et qu'ils ont été terroir dans la ville, qui a terrorisé la population. Et bien, c'est de même, nous prenons analogie ça dans le sens. Capoa pour Port-au-Prince bien prendre pour Kenya. Bon, nous croyons que tant que tout haïtien ouais, yo connaît tout que pour y a un problème de sécurité. Donc police nationale là effectif les réduit grand pile policier qui déserté, gain policier qui était entré dans gang tout. Donc Haïti besoin aide. OK, donc on passe présentio est capable aider nouveau gouvernement et qui là ensemble avec et conseil présidentiel là et améliorer et sécurité à dans pays là. Monsieur Kenya qui vit en Haïti, nous qui soif nous a soif et nous gain besoin nous en need ni en urgence, quel que soit monde qui t'a venir de nous t'a toujours prendre. Et souhaitons le Saoudi a venir faire une fête, t'a gain sécurité et t'a gain changement dans pays là parce que nous t'a remé fois la caïno et nous est dirigeant la caïno pas décidé faire obligé et mandé help de yo. So si moun yo vini en bas on ti chance pour regarder pour qui ça k'a fait. Face à climat insécurité qui a prégné sur territoire pays d'Haïti, en pile haïtien pas cal passer vacances avec famille avec amis. Rêve yo se retourne Haïti, elle fêter, elle célébrer. Erlich Dorelas, de Boston, Massachusetts pour la voix de l'Amérique. Et pour l'autre réaction encore, nous pour aller dans Atlanta, Georgia, côté que nous pour rejoindre correspondant nous Yumi Janet qui pour dire nous qui la communauté haïtienne dans zone par là réagit par rapport à situation. Depuis les premiers groupes 400 soldats kenyans débarqués dans pays à mardi 25 juin qui s'est passé à pas suspendre provoquer réaction dans mitan communauté haïtienne dans la diaspora. Plusieurs citoyens VOA créole t'ai questionné montrer au pessimiste sous des affirmations pour quelqu'un pour le faire face. Et par rapport à gang qui gagne en Haïti, vous voyez simplement 400 soldats qui pour faire face à gang ça yo, ça pas représenter rien. L'état pour moi même penser le tap plus bon pour yo ta investir l'argent dans la police nationale là, dans soldats haïtiens yo, et bien on pensait que yo plus compte terrain hein. Pour que vous êtes capable de faire face à bandits, si et seulement si vous avez les moyens nécessaires. Et M. Kenya, ce n'est pas la même solution pour le pays. Parce que vous avez des couloirs, M. Kenya, vous ne connaissez pas. Sous périmètre là, vous ne connaissez rien assez vraiment. Même la police, comment vous êtes victime de M. Kenya? Mais allez voir M. Kenya qui est en force étrangère, qui ne connaît pas le périmètre là, qui ne connaît pas rien. Mon cher, monsieur, il doit avoir une volonté pour résoudre le problème, non? Mais l'heure vient arriver. Souterrain, j'ai été pensé là, c'est nettement différent. Parce que l'autorité politique ne pa permet pas de faire travail à vrai. Parce que les gangs sont en faveur de la citoyens ont fait connaître tout. Pour mission ça réussi, il faut que vous cherchiez à connaître qui est ou bien qui secteur qui se boit des bananes gangs. Ok, au fin de tuer, M. Sao,
Mais Koulia, est-ce que vous attaquez vraiment le problème là? Vraiment le problème qui est lié, c'est l'oligapio. L'oligapio, c'est eux-mêmes qui ont le contrôle, si monsieur. C'est eux-mêmes qui mettent monsieur aux armes. Monsieur a collé avec soulier, il n'y a pas de gens mettre mes souillons. Il n'y a pas de gens mettre mes souillons. C'est à partir du moment où il a commencé à mettre mes sous monsieur à soulier. Pour arriver sous nègre avec sa patio jusqu'à ce que peut-être nous t'ayons gagné une activité qui a mené vraiment parce que vraiment pays a vu un danger. Yomi Janit, pour VOA Creole. Et bien, dans le département Nord Pays, il y a un groupe Sergi Med qui organise un forum sous santé dans la ville Cap-Haïtien, Gérard Maxino. Forum ça qui était consacré sous santé dans le département Nord, est organisé sous initiative groupe Sergi Med. Réalité affaires santé et spécificité avec défi dans ça qui gagne à ouais avec développement durable, c'était le thème qui était débat dans le forum. Ça, PDG Sergi Med, Dr. Wisty Joseph expliqué objectif forum ça, c'est pour décrire des défis avec un jeu qui gagne à ouais avec santé dans le département Nord. Nous connaissons que le département Nord a un peu le problème santé. Par exemple, nous pas qu'à gagner. Ça nous capable de briller, on examine encore, un scanner. Un malade qui fait un stroke, il a besoin de soigner pour connaître s'il est hémorragique. Ça veut dire, est-ce que c'est un vaisseau qui pète, qui a saigné dans la tête, ou bien est-ce que c'est un vaisseau qui bouché? Malade, ça, pour le jeune scanner, il est obligé de monter pour au prince, ou bien il traverser la République dominicaine. Donc, tout ça, dans le forum, ça, nous avons invité ensemble de prestataires de soins dans le département pour être capables de venir parler santé. Par les problèmes qu'il a confronté au niveau du département. Un chirurgien orthopédiste, Dr. Emmanuel Siak, expliqué qu'il y a une pile faille qui besoin combler dans le système sanitaire noir parce que pour ça qui gagne avec spécialité là, c'est seulement 7 orthopédistes qui offrent service dans tout grand noir. Par rapport à la recherche que j'ai fait pour que je me prépare pour la présentation, moi remarqué que orthopédie a gagné malgré un pile exploit que nous réalisé dans domaine nan nan noa, mais nous gagne pile faille que nous besoin combler. Yon nan faille c'est que dans recherche que moi fait moi gagne 7 l'hôpital seulement qui a offri service orthopédie dans toute grand noa qui gagne plus que 1 million de monde et statistique 2015 yo montre que gagne à peu près 1,5 million de monde qui vivent dans le Grand Nord. Économiste Eza Emile, tu parlé des liens qui gagnent entre santé et économie, qui ont pouvoir d'achat qui a influencé l'accès à soins santé et qui ont santé influencé productivité dans un pays. Leur économie ou gen moun la dans le cap vivant en bonne santé, qui ça peut affecter positivement productivité yo. Leur non travail. De même que pour ti moun l'école, la santé l'apprend bien. Et la apprend bien, ça peut gen impact sur croissance économique. Donc, gon liaison étroite entre économie avec la santé. Et c'est pour ça que moi toujours très content de gen invitation pour me venir dans ce type d'événement ça. Et staff Sergi Med la, souhaite événement ça capable de constituer une base donnée pour améliorer le secteur sanitaire noa et puis continuer à faire plaidoirie bon côté décider avec le secteur privé. Gérard Maxino, Cap-Haïtien, pour la France d'Amérique. Merci Gérard Maxino. Et c'est avec le dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme. Nous avons plaisir pour nous servir. Pas oublier demain, c'est 4 juillet, c'est indépendance les États-Unis. C'est anniversaire plutôt, indépendance des États-Unis. Donc nous avons un programme spécial occasion. Donc c'est ça nous fait comme d'habitude. Depuis que nous avons un moment spécial, et bien, nous présentons un programme spécial. Donc demain, 4h30, c'est 12h30, nous avons un programme spécial. Donc nous invitons aux branchés. Invitez-en mon branché tout parce que VOA Creole a gagné un programme spécial. Merci pour attention, merci pour fidélité, merci Sibas, merci Nelson et puis merci Jean-Marc Hervé Abila, Samblier Gentil, Augustin Junior, moi c'est Jacqueline Belizère. Après, merci Jean-Robert Philippe qui était kembe pour nous, et bien nous connaissons deux cavaliers pour le cas. Moi c'est Jacqueline Belizère. Donc, à demain. Premier ministre Gary Conille, après sa fin arrivée dans le commissariat Gressier et puis commissariat Saint-Charles, dans Kafou, PM Gary Conille, côté lié, li réagit et le parler. Li se croit payant avec déclaration ça. Et monsieur dit,
bagay ou pral compliqué pour bandi armé yo nan jou k'ap vini la yo. Et cette fois-ci, c'est pas pour de bon que gouvernement l'a dirigé. CSPN que l'a dirigé. Que yo pral vraiment mette fè yo a terre. Pas oublier que récemment, et question posée, qui ça qui expliquait que PM Gary Conille, quel poko prend contrôle pays, caille en caille, quartier en quartier et ville en ville. Mais PM nan dit tout le monde, rete posé. Nan le kap vini la yo, yo pral, ouè sa pral passe nan pays et nan zone kote bandiouye. Desi Venez, gen moun ki tap mande kote Jean-Charles Moïse. Est-ce que Jean-Charles Moïse nan peyi an? Est-ce ki kote l pase? Eh bien, jounen te mardi de juillet an, ki te gwo fèt nan ambassade américaine en Haïti, Jean-Charles Moïse avec gwo costume ni sou li, gwo kavat rouge li nan koul, Jean-Charles Moïse dal asiste et te pou présent. Et bon kote Jean-Charles Moïse nan, en pile moun te kapab gade nan photo, genye PDG Radio Télévision Caraïbes lan, Monsieur Patrick Moussignac qui te présent nan ti photo ke nou wè. Ki sa ki explique que jodi, après pile critique que Jean-Charles Moïse, qu'on a fait de l'Occident les États-Unis, et jodi li présent en Django, nan fête ambassade États-Unis en Haïti. Désir, je dis en là, semble que vraiment, gros bataille entre conseil présidentiel yo avec PM Gary Conille. À peine 2 mois que conseil l'a installé et prêté serment, à peine quelques semaines, galant 1 mois que Gary Conille li monte gouvernement là, eh bien, commencez que torchon. Qu'a brûlé entre gouvernement Gary Conille, PM Conille et conseil présidentiel. Qui ça qui explique jodi? Gen ensemble de leaders politiques, gen ensemble de acteurs politiques, nous pas tendez yo. Gen quelques jours là, que nous pas tendez acteurs politiques ça yo. Est-ce que ces périodes observatoires que vous baille avec conseil présidentiel yo? Est-ce que c'est période observatoire qui est avec Gary Conille qui fait qu'il ne pas attendre? Mais je suis certain, en pile secteur, en pile acteur qui te qu'on a parlé sur Ariel Henry, il y a quelques temps là qu'il ne pas attendre. Est-ce que vous êtes en Haïti? Est-ce que vous êtes à l'étranger? Est-ce que c'est possible de négocier? Parce que vous avez beaucoup de postes directeurs généraux. Ça veut dire là, genek ou pourquoi attendre parce que yon nan réunion, yon nan discussion pour que yon capable jwenn de poste direction en pays ça, en dan gouvernement. Je dis yon, pep haïtien yon, tap atan li, pourquoi même comble même. Pep haïtien mande, ça kap passe, parce que yon poko senti conseiller présidentiel yon. Yon poko senti vraiment. Que Gary Conille avec gouvernement là. Est-ce que peuple a continué à être tendre? Est-ce que Mounio décide de ne pas être tendre? C'est la question de Sivenes que Mounio a posé en Ralvini. Plusieurs bandits vont boire calé dans la Tibonite et plusieurs bandits vont boire calé dans diverses provinces de Sivenes, mon frère, mon ami. Ben, station, nous comptons rejoindre dans Vita Kalfoua, Tichès Bay ou bien rangé pour tout le monde dans une population pendant nous prenons informer sur ce qui a passé en dedans pays. Politicien Rado Kale qui prend pays en otage depuis un bon bout de temps, Kounia, Gebouzo, Nambucho, yo pièce pas capable. Si n'a pas donc regarder, 9 partis politiques qui organisent yo pour y aller dans le conseil présidentiel de transition, notamment avant yo, ben, station, ou t'as tendu, t'as fait Kokalan à travers radio. Non, ensemble commissariat qui attaqué, qui crasé yo. Yo t'a demandé qui côté chef dans gouvernement yé. Yo t'a demandé qui côté président yé. Jodi ya, yo tout yo gen amidal. N'ap cherché yo nou pas tande yo. Commissariat agressé, crasé, rapété, côté bandit, entend touye moun dans espace ça, plus façon vétère moun mouri. Ou pas tande pièce politicien, pièce chef de parti dit rien sous ça qui a passé en dedans pays ya.
Non, Carrefour, commissariat passé en bas flamme dit fait. Vous pas attendre pièces politiciens dit rien. Les personnes yo senti yo confortable. Non ça qui a passé en dedans pays aujourd'hui. Peuple haïtien gain pour prendre mail. Peuple haïtien gain pour prendre engagement qui t'a permettre yo sorti dans ça yo journée aujourd'hui. Parce que ensemble c'est tu et organisation politique qui gain dans pays. C'est rap d'okale que oui, jodi a, li pa un secret pour personne, yo fait comprendre que pas de jambe petit de saline. Oui. Laurent Moïse Jean-Charles, débarqué, Charles Bécoupe, al nan fête, indépendance, États-Unis d'Amérique, c'est en avance que organise fête là, dans l'ambassade américaine, dans le pays d'Haïti. Eh bien, situation ça le montre que pas de personne, non qui est pas nié. Presse là que yo dit qui marié avec l'Occident, pour faire tout dégât que autant de qui a fait là yo, plein de personnes. Parti conscient, groupe Caraïbe, Jean-Lucien Borge participer dans fête si là tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour ensemble de monde qui a regardé, qui a attendu, modèle situation que le pays a plongé là, les a paquisé, secteur presse là, qui a responsabilité, qui est marié avec l'Occident, pour faire projet l'Occident, parler à travers la radio, acheter presse pour l'argent. Je dis à nous-mêmes, nous devons connaître, peuple haïtien, fixer les yeux nous, garder les gens qui combattent pour nous, garder les gens qui pensent pour nous, parce que modèle situation que le pays a attendu, je dis, il est difficile en pile. Insécurité fabriquée qui est opposée par le peuple là. Peuple n'a pas capable encore. Yo kidnappé trop moun, yo touye trop moun, yo viole trop si filles, yo viole trop femmes en dans pays. Trop si moun petit a intégré gang yo. Malheureusement, c'est même figure qui toujours apparaît dans débat, c'est même figure, c'est même voyou qui yo toujours permettre que nous tendez, parce que planifié pour ça sous quoi, li rete kembe pour rendre que situation 24 fois plus difficile. C'est pas sans raison. C'est pas sans raison ou après que gouvernement que gars koni a dirigé a yo entend yo pour bail français bien job. Yo entend France LB. Lui. Il avait pas de blague quand même. Bon moi pratiquement plusieurs médias by information. Je veux dire tellement France LB te fait un gros job, tellement te font bon job, il méritait. Bon c'est selon monsieur Damien qui dans gouvernement, il méritait pour bal un job. Il aurait commencé des ministres et près de la communauté haïtienne dans l'OEA, on pense comme ça. Yo t'a créé pour by France LB parce qu'elle fait un bon job en Haïti. Il était planifié massacre, il permet organisation internationale continuer à faire gros l'argent sous l'homme chaque haïtien qui a mouri. Blaise Peterson zami internaute, m'a dit nous ça, pas des pays dans monde là qui développé avec présence organisation internationale. Yo utiliser misère peuple pour continuer faire l'argent, pour continuer bien vivre, pour continuer qui met pays en otage et au servi avec conseil qui vient prendre pouvoir sous précarité. Peuple haïtien, sous précarité, population haïtienne, ça qui vit dehors, ça qui vit dans le pays. Nous devons ramasser caractère. Si nous ne pas ramasser caractère, situation est difficile, situation est quatre fois.